Bonjour. Ouais, c'est n'importe quoi cette intro. Et le jeu où on va aller, ça va être un peu n'importe quoi, je crois. Puisqu'aujourd'hui, on va partir faire de la cuisine, et c'est pour ça que j'ai ressorti le chef suédois. Oui, le chef suédois des Muppets, qu'on adore tous. Et on va filer dans ce jeu qui s'intitule Cooking Simulator. Alors j'espère que c'est pas trop réaliste, parce que je vous ferai un historique des talons cachés de Monsieur K dans une cuisine. Vous allez voir, ça vaut le détour. Une recette que vous ne trouverez dans aucun livre de cuisine, ça je vous le promets. Ok. Eh ben, nous voilà dans l'animal. Et on va lancer une partie, je vais le découvrir en même temps que vous. Allez, on va commencer par le début, on va à la cooking school. Et vous allez voir que j'ai un talent absolument inné pour la cuisine. Alors la cuisine, sur écran, ça va être très bizarre. Comprendre vite, mais ça c'est tout mon talent. Ok. Mais une partie gestion, ça va être beaucoup trop sérieux pour moi, les amis. Je vais faire un truc, je vais faire un truc maintenant. J'y suis, man. T'es un peu la bourde. Et je fais que ça, là, ça y est. On est bon? J'ai bon? J'ai pas bon? Pourquoi j'ai pas bon? Pourquoi ça veut pas poser? Pause, pause, pause. Allez, 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 allez! On y va! Hein? Vise-le et pose la tomate. Oui, chef. Ça marche pas. Faut que je trouve la touche. Il doit y avoir une touche pour ça. Mais j'ai dû la paramétrer comme un pied. Il me menace et il fait pose la tomate. Tourner les objets. Je découvre, hein, j'en profite. Ça y est, j'ai posé la tomate. Dude. Dude. Fuck it. Ça vient, ça vient, ça vient. Allez-y, tirez, là. Ah, il faut tirer fort. Là. Parfait. Ça commence super bien les amaches. Je sais pas comment ça va finir mais ça va être moche. Plutch, pose cette putain de tomate, espèce d'handicapé. Setup. C'est obligé quoi, il y a un problème. Je vais dégainer la manette hein, si ça continue. Ça va être moche de jouer à ça à la manette j'imagine, mais ce sera peut-être pas pire finalement. Vous savez quoi, on va le faire. Je bascule sur la manette. Igor, jette la manette. Merci. C'est bon, ma manette est prise, on y va. Yaha! Il est temps d'acheter une assiette, tout s'achète. Non mais, laisse la tomate. Cette tomate est innocente. C'est pas très dans les normes hein, de pas avoir l'extincteur présent. Non mais je visite, dude, t'énerve pas. Donc ça c'est le coin miam miam. Ça c'est le passe-plat. Tu veux pas que j'aille là-bas hein? Oh, look! Assiette. Mais elle est déjà chez moi, pourquoi je peux pas... Ok dude, je sais pas pourquoi ça va pas me plaire. Ouh, j'ai eu le retour de force quand j'ai cogné le... D'accord. Couper. On va se faire le tuto, hein. Il faut en passer par là, c'est une obligation. Oui, les leçons sont très importantes, alors fais attention, on va pas te couper tes petits doigts. Pendant quelques heures, c'est ça, ouais. Commence par choper une tomate.
Plop, à moi la tomate. Tu la mets sur ta planche à découper. Non, sur ta planche à découper. Ouais. Maintenant, tu prends un coutal. Oui, parce qu'il n'y en a qu'un seul. QA. C'est un peu chiant la manette, hein. J'essaie les touches. Non. Faire tourner. Commande avancée. Là, voilà ma belle. Bon, on va bien voir ce que ça fait. Schwing, non, schwing, schwing, schkikik. Oui, non, mais je vise la tomate, dude, il n'y a pas de problème. Poser, non. Je veux juste mettre un coup de coutal dans cet engin. Ah, prends ce couteau et coupe. Allez, c'est bien ou c'est pas bien? Oh! On va pas s'entendre avec les commandes, c'est super pas pratique. Je réessaye avec ça. Oui, je suis repassé sur la souris. Snip, snap, que dalle, elle veut rien faire la souris, elle se fout de ma gueule. Alors, attends, 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 si, ça y est. Ouais, c'est ça. Ça va être chiant si je dois jongler d'un truc à l'autre à chaque fois. Étrange. On va assaisonner, c'est mieux. Parce que c'est en assaisonnant qu'on devient. Non, j'allais dire un truc qui ne rentrera pas. Ok. Alors du coup là c'est pas passionnant ce didacticiel, je sais pas si ça vous le fait chez vous. Mais c'est. On est là, on fait, allez, il faut faire ça, action 1, action 1, action 2, action 2, action 3, action 3. Seulement je pense que pendant le jeu, il va falloir combiner toutes les actions et ça va être vraiment le bordel, je le sens. Oh, un affichage type McDo. C'est si fashion que ça. Ok, dude, on y go. J'hésiterai pas à prendre mon temps, effectivement. Le passe-plat, oui. Alors, il me faut un steak, du sel, du poivre. Steak, pommes de terre, romarin, sel, poivre. C'est parti, dude. Steak, pommes de terre, romarin, sel, poivre. Oh, c'est le bon, bien, bien. Moult. C'est très bien. Ça suffit. Hop. Maintenant, je prends. Plop. Mon pépère et le pépère, on va y aller pépère. On va bien poivrer, hein, ça leur arrachera un peu la gueule. Voilà, il est parfait là. Regardez-moi ce bon steak.
Near the fridge. Oui, c'est très logique de mettre des plaques de cuisson à côté des frigos. Pardon, ça me reprend. J'ai oublié de fermer le frigo d'ailleurs, je vais me faire engueuler par le boss. Peut-être prendre ça. Parce que je vais me cramer avec la spatule. Allez, viens là, le steak. Hop là. Ah oui, je vais pas cuisiner avec... Non, je le prends avec mes mains. D'accord. T'es contrariant, toi. Non, je rigole. Hop là. J'ai ramené ma spatule, c'était peut-être pas prévu, je m'en sers tout de suite. T'énerve pas, Bali, t'énerve pas, on est des petits fonzies et on va rester cool. J'ai mis mon pastis à chauffer. Alors là, là. Un petit coup de feu. Un petit coup de feu, c'est comme à l'Armagnac. Ici, il faut que ça flambe. Oui. Non. Je crois que c'est l'amour avec ce machin. C'est l'amour à la plage. Tcha-tcha-tcha. Chope le steak. Amène le steak. Ça y est, on va y arriver. Ouhouhou. Bienvenue en l'an 2020. Tiche. Mais pose-moi ça en douille. C'est merdique. Mais que c'est merdique, les amis. Il va être bizarre ce steak, je vous le dis. Hein. Un steak que j'arrive même pas à viser. Je pense qu'il va être cramé d'un côté, cru de l'autre. Ça va être fantastique. Allez, moi je crois que là c'est chaud. Non. Oui, c'est pour bien faire sortir le jus, les amis. Un peu polio, hein. Alors, attends, j'ai pas fini. Buddy, attrape-moi ça. J'arrive pas à l'attraper. Les commandes sont vraiment ultra pénibles. Sérieux, faire ça à la manette, c'est une torture. Je le souhaite à personne. Ah, fuck toi. Je vais pas le streamer, ce jeu. Il me gonfle déjà. Ah, je vais faire du tennis viande, je crois. J'en ai marre. Je rentre à ma maison. Je vais aller au McDo, hein, ce sera plus simple. Qu'est-ce que vous voulez me faire faire ça, moi? Oh, quelle merde! Ah, donne-moi ça. Oh putain, la galère, les gars! Voilà, il va être bien ce... Attends, ça, je crois qu'on merde un peu là. Ouais, ça y est, on est bon. Lâche-le. Set him free. Oups. Chut. Personne n'a rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous êtes sûr que... J'ai attrapé le steak à la main, ce sera peut-être plus simple. Hein. Comment ça, c'est un peu chaud. Bof. Pas plus que ça. Hein. Oh putain, mais quelle merde. Allez, voilà. Vas-y, mon gros, vas-y. Fais plaisir à papa. Tu déposes ça tendrement. Alors, faut s'y faire à ces interfaces. Il est super, mon steak. Allez, il est cuit. Je vais éteindre ça. J'en ai marre. Je vous le dis tout de suite. Retour. Mais lâche ce truc. Vas-y, mets-le là-dedans si tu veux. Voilà, c'est parfait. Fais ce que tu veux. Fous-moi la paix. Pitié. Je vais le ramasser à la main. Il est un peu chaud, mais ça va le faire. Il veut pas. Ok. Oh, c'est merdique. Ne jouez pas à ce jeu avec une manette. Vous allez avoir envie de tuer quelqu'un. Je vous le dis. Hop, on va mettre ça discret dans la... Quoi, il est pas cuit? Je peux pas partir tant que c'est pas cuit. Je vais le jeter au plafond. Là, non, je le fous là-haut. Putain, 17 minutes et j'ai déjà envie de jeter ce jeu par la fenêtre.
Vas-y, tourne ça. Là. T'es pas obligé de le foutre par terre à chaque fois après. Hein. Et là, personne n'a rien vu, donc ça va. Comment ça, c'est enregistré dans le stream, personne n'est dupe. Mais non, vous êtes médisant, c'est tout. Alors j'ai une drôle de façon de tenir ma schmurtz. Clutch. Regardez-moi ça, la viande bave un peu, on a le gras qui remonte. Là, t'aimes ça le gras, toi. Hein. Bon, là, ça va pas, hein. Mais pour nous, pour vous, pour nous, ça, pour... Oui, enfin, je m'explique. Bon, il est cuit, là, ton truc. Comment j'arrête? Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, je vais le laisser cramer, ce truc, hein, c'est... Allez, moi, je crois que là, c'est chaud. Non. Hop là. Il faut poser ça pour poser le truc. Ok, jette-moi ça. Non, joue pas avec les boutons. J'ai décidément des gros problèmes avec l'interface. Ils veulent amuser les mômes et leur donner envie de cuisiner. Plutôt crever les amis, plutôt crever. J'ai l'air con avec mon steak qui veut pas me quitter. J'essaie tous les boutons de la manette hein, parce que je suis désespéré. Il est très bien ce steak adhésif. Regardez-moi ça. Tu bouges pas, je reviens, Coco. Alors quand je suis là, je peux pas lâcher ce truc, c'est incroyable. Je suis en train de me concentrer. Ce fail, sérieux. Je suis arrivé à la dropper, je ne sais pas comment, c'est un miracle. J'espère qu'ils avaient pas trop faim les mecs, ça doit faire 10 minutes qu'ils attendent leur steak quoi. Prends la planche à découper. Je vais prendre la planche à découper. Ok. Ça dans ce sens là, je vais faire les deux en même temps. Clac, clac, clac. Je vais le faire par terre, je serai mieux. La croupière, c'est où? Ok, on va faire comme ça par terre. Regardez, pendant que le boss voit pas, ouais, c'est bon. Attends deux secondes, je vais poser mon coutal et je vais pas arriver à le poser. Si c'est bon, aïe, 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 qu'est-ce qui va nous sortir? Ma planche à découper est scotchée par terre, je peux pas découper. Alors on va voir s'il me laisse découper comme un salaud. Oui, direct sur l'inox, hein, ça se fait. Merde. Hop, snip. Et ça marche mieux. Hop. Ah. Pareil pour sa voisine. Clac. Clac. Clac et clac. J'en ai 10, me dit là. Allez, c'est bon. Je vais les saler. Hein. Il faut 2 blancs d'œufs par kilo de sel. Et à votre avis, pour un poulet gros comme ça, il faudra combien de kilos? 4 kilos. 4 kilos. Alors c'est-à-dire, on les a là. Voilà nos 4 kilos de sel. Oui. Ça se sale pas d'avance les patates parce que ça absorbe vachement. Mais bon, je donne plein de mauvais conseils puisque ce jeu est déjà une véritable merdouille. Hein. Je les poivrais par contre parce que je suis un parfait connard. Maintenant, hein? J'ai vu le goût. Non, je sorte ce jeu. Il m'a horripilé en moins d'un quart d'heure. J'ai pas envie d'y jouer. C'est pas pour moi.
Alors peut-être les gens qui aiment les Sims, les trucs comme ça, ouais, ils vont s'adapter au jeu et avoir la patience de se faire à cette interface purement insupportable. Ça, c'est pas des œufs? Pas dans une coque, Michel, c'est les claques du coq, c'est pas l'œuf. Vous êtes sûr? Certaine. Mais qu'est-ce que c'est les claques? C'est cocoye. Oui, il y avait un autre mot qui me venait à l'esprit, mais dans une cuisine, on évite de sortir ces appareils-là. Et ça peut être marrant, mais alors c'est vraiment pour une clientèle particulière, quoi. Et mon steak, je vous dis pas, dans l'état où il doit être tout froid là-bas. On ne se retrouvera plus jamais sur Cooking Simulator, je vous le dis les amis. Je vous indique des bons streams pour la peine, même pas les playlists. Tiens, un jeu bien ici, un jeu bien là, un jeu bien encore ici. Et n'oubliez pas le bouton d'abonnement puisque je vais streamer beaucoup d'autres jeux qui ne seront surtout pas Cooking Simulator et qui seront vachement bien. À bientôt. Au revoir, à bientôt, hein. Un truc Et à votre qui santé à tous. Oui.